Bonjour. Nous poursuivons notre exploration de la grille harmonique de Bye Bye Blackbird en nous servant cette fois des quatre notes de chaque accord. Alors quand je dis les quatre notes de chaque accord, je ne veux pas dire que à chaque fois que l'on va jouer un accord, nous allons forcément jouer les quatre notes de cet accord, mais disons que nous allons pouvoir piocher dans les quatre notes disponibles. Par exemple, quand je vais attaquer Si mineur 7, je ne vais pas jouer forcément le Si, le Ré, le Fa dièse et le La dans mon improvisation, mais peut-être le Si, peut-être le Ré, peut-être le Fa dièse, peut-être le La. Donc, nous savons qu'à chaque mesure, nous avons à notre disposition quatre notes, alors que nous n'avions qu'une seule la semaine dernière, et nous allons essayer de composer avec ça, essayer de trouver un solo original et mélodique en nous servant des quatre notes de chaque accord. Je vais vous montrer quatre exemples, les deux premiers sur les huit premières mesures du thème, les deux suivants sur les 16 premières mesures.